l'histoire coloniale de cette région a été très difficile, aussi bien pour les Européens que pour les Autochtones. Il disait, pour ces populations-là, on a besoin de leur soumission et non pas de leur affection. On subissait quoi. En un mot, c'est la soumission totale. Si c'est Kurebo, de Boulogne. En route, un des porteurs est mort de maladie. Un autre, qui était mourant, qui ne pouvait même plus se tenir sur un bourricot et qu'il aurait fallu par conséquent abandonner dans la brousse, a été achevé d'un coup de revolver. J'ai pu faire rattraper environ une dizaine de porteurs qui, en cours de route, ont abandonné leur charge pour prendre la fuite. Ceux-là ont été exécutés, généralement par les tirailleurs, et en tout cas, jamais par moi. Bayela mena tena dan wara bajina na bogu bayela asamur samur samur bayela ban dabsi ban yela ban wara batura baje abatur bagambato he abakuta kuta kuta ta bapushul bon asin mermila abara asamur yela bapurale ata nimpel panyo asamu parporpo mambiere turi. Mene ban birtu a cho te nyoro ba mene ban nyora chamur bana aha ani pele le diati mene ban diati ti ban le wa abakwe jisa sama le bebe usho ban nyole aban yiro numbum ani pele kuma se na ba er ti bonye di dibugi na ba do e pona juvorgi ala chama bolo torgion. Van poa alabator ti yifu bar a ama inafanga a plama yana asinimbere. Juo ungbana dabulu. Du peketa sagba dabulu apetintin. Umpadenke si du gala ahi wako ina mobila. Jouons encore, banawe. Yo bulo, un chana ou bo. Se do galawa hinta dono ou tiro apin, na juara. Di e toro. Bon, ma e a toro, a mi ide apen hari. Senagale, di bi pin, do pa a denke. Si waboli, si ine nakpe, yeru sosa.
À mon avis, rien ne vaudra au moment des négociations pour la délimitation franco-anglaise une occupation effective. Quant au lobby, il nous a été impossible jusqu'ici d'entrer pacifiquement en relation avec eux. Les rares indigènes de cette race primitive qui sont venus à Diébougou ne s'y sont décidés qu'après avoir vu faire un exemple sur un de leurs villages. Leur prétendue soumission a d'ailleurs été toute platonique. Ils se sont présentés, je leur ai demandé pour la forme 3 ou 4 porteurs et un peu de mille. Depuis, ils n'ont rien fourni et n'ont pas reparu. Dans le lobby, je ne vois pas comment ni avec qui je pourrais passer des traités. Ces sauvages se sauvent à notre approche et n'apparaissent de temps à autre que pour vous tirer des flèches empoisonnées. À défaut d'autre chose, on dessinera les itinéraires parcourus comme preuve que nous serons allés les premiers dans les pays traversés. Ils sont arrivés tout simplement dans des populations dont la structure sociale les déroutait. En ce sens que sur le plateau Mossi et ailleurs, ils ont rencontré des sociétés structurées à état, avec des royaumes, des empires ou des chefferies. Tandis que dans ces régions, ce sont des sociétés lignagères basées sur les matriclans, les patrilignages. Et il n'y avait pas de point d'ancrage, de point de prise. Ils ne savaient pas très bien vers qui est-ce qui devait transmettre les ordres. Vous savez, chez nous ici, le lobby n'a pas de chef. Hein. Non. Le vrai chef là, qu'on dit chef comme au plateau là, le lobby ne connaît pas ça. Nous avons des chefs coutumiers. D'accord, quand vous en avez ordre. Typique, un son chauffeur de vie à mettre dans les piles et une douane dans l'île. Samia, si il me fait quand il est en ligne, un tibna, il est trop fort. Alors, c'est quoi ça? Fin, un gars, d'un gars, il y a un gars, au cobble, il y a un autre insulte. C'est pourquoi vous pouvez voir mes filles, vous pouvez voir mes filles. Si, maintenant, il y a un mami qui a un fan dans mon mi, de blé, maman Roham. Je suis allé à la maison. 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 Je suis
A papa para for the hacha chacha did the fapon of loan to anahala. Lana, I will launch it work with the pre. Fahinaco, Femeco. What why if you could? That tell a condena co, oco. Fudubu. Atitiana. Aye dinan ka tetiyo simina ir bibirsina mi ina ala sinya tetiyana atetiyana semana odona nya tetiyana atiyana ninya na wela oja anyika yere yune ko no ganga yune o pfo yere nyaka mambibo nwa tu kwiro ala ma isimin wa cha kwaro unan luna sese ba ma wo sene ulun wa luru wala mais a yir na sana ira yi biblio atun juja ka obi je suis persuadé que l'on pourrait obtenir la soumission de la plus grande partie des villages lobby sinon tous sans employer la force qui dans la plupart des cas ne donne aucun résultat appréciable et toujours ruine le pays. Amene anempla na wakpe benempla ikengina amena nempla na wa aunu bibira bayila nempla mankpere ona anempla malba atauna akasena jinana akabayi ina ba jodo atauna nju atauna nju ba jodo na ba jina anempla jina ni ba bibia mene ba lettere bondira dere ogontane on a boro holba a ala baletere bundira aba jonsio a bensio ba barinka yir min ba jurba dan lanani jango ba to sole aba jodo ncha deba an nisas jion jina len wo boy a kpemem bana yena in kwa dable a dable ulo ban kona ayi nre na cheno jabin ba bana jo a ulo amangberu na par incho ipul blitor ti palma yo aba kwa ulo na ba ngba ju na ba e du na ben me asin ni be ben nan ba le on duli in yo ju abi ina ba iru wopta wo ba yela ja le le bin dina sort na ba kin mun ban kin na a ju futele le su na hin paroda aba fi jaba su u in yela no ba nim pele kin na a o ira wiye pele ba wa u yela po ba ba wani mama aba ku wela mama wani o yele ba jetini mbaja aba jetini o yaba ona ben puruba akona tereba abo onwa benje ntajie kan a i ba apo kan nyena jukobo betoale apo yela meno benlo i jukobo aba chen yele ba ure ndire juna ulen be welo ja o yele ba jetini mbaja in sor yikwere no mo soru bibir yikwere na soru bibir aba soru bibir wa chen nya abibita a wonta uni damboli mambibi nchi anempla chin ayu anempla wa jina don anempla wa le chin jina jiu na nda anjina na ale dare a jofute u yela a hin poro u den no pla no nara pla no pera pla
Les premiers jours de l'occupation de Gawa et les premières opérations de ravitaillement se firent sans difficulté. Et les villageois immédiatement voisins commencèrent à apporter au bivouac quelques paniers de mil et quelques animaux, représentant environ un cinquième de ce qui leur était demandé. Mais bientôt, les difficultés et les refus d'obéissance ne tardèrent pas à se produire. On trouve des gens, des boulots gens. On trouve des gens, des gens, des gens, des gens. On trouve des gens, des gens, des gens, des gens, des gens. On trouve des gens, des gens, des gens, des fonctionnaires. On trouve des gens. Dougal a peur du qui y opana a hité a ina ha du an coupoi tu an tu webira. Les reconnaissances sont assez mal reçues. À Niobini, les cavaliers de pointe tombent dans une embuscade tendue par les lobbies à l'aide d'essaims d'abeilles mises en furie. Trois cavaliers sont mis hors de service pour plusieurs jours et perdent leur monture qu'on ne retrouve que deux jours après. Bien que de beaucoup les plus forts, nous ne leur voulons pas de mal. Ils ont tout intérêt à se soumettre à nos volontés qui n'ont rien d'excessif ni d'exagéré, puisque toute tentative sérieuse de rébellion et d'agression de leur part est immédiatement réprimée d'une façon absolue et sévère, sans perte appréciable pour nous. Je vais voir.
Now we in a sorachi be one. Walk when you call Bunko. Man, I want to wear Bunko now. About your cha 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 cha. That double in mediable boy. A banty bora or a tor. Bon bokina. Tinya a paw. About your cha paw. About qua paw. Well, noon. Never qua porto. Banon bolo quay tenna. Bon, vous t'avez la bande panchour, yoron, eh, a bien pantaba bon, non. Abalman bal ingano. Ata numbumina. Ababaraba. En résumé, au cours de toutes les opérations de la campagne 1901-1902 dans le cercle du lobby, la quantité de munitions consommées s'élève à 47 coups de canon de 80 mm, 18 162 cartouches modèle 1879, 285 cartouches modèle 1886. Les pertes subies ont été de un tirailleur noyé au passage du Bougouriba, un fantassin auxiliaire tué à Bougné, plus deux blessés morts des suites de leurs blessures, deux porteurs, trois chevaux. Les pertes infligées aux rebelles ont été d'environ 220 tués et 40 blessés. En résumé, la campagne 1901-1902 dans le cercle du lobby a été fructueuse en résultats palpables. Mais s'il a été fait beaucoup, il reste encore beaucoup à faire. Beaucoup plus encore qu'il n'a été fait. Alona tirenke na hana ni tira tirenke ngala ni pe wongo 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 ke waro pesa tangba besi si jadan tintin tangba besi galda na agbovil du tisilis agbovil agala ape kongora kafe lo disi kun kafe Afukun ada hikbenjere a sifa pona ubirpe fo fi hikbenjere na fi pona fi juna fi den fi pe machine wuri wuri mena gi wuri wuri mena tibla dia ne tibla do chale meme so a di kakiri habi jan ban si nyo si chin tor la ke ni chulo a chulo nuna e funa santona ba wo ya fu wo bi lu jet A soupo, a sénéchin, naturel, a bayashi, a souf, la mal, will be a noon at it. A soupo, la mal, will be a noon at it. Should it eat? Will be a noon at it, will be a noon at it. Should it eat? I say, it will be a noon for below. Should it eat? And say, I love my plan, Percy. I saw my little chief a noon at it. And I'm bombarded. I said, one and a half way down here. Bon, I say, Pangwa, do by second one. Apa pun jela, asi million bayar si, asi luje je bayar si, luje ni boleh bi boleh dako. Mac jela buat jela ni. Tengok lor, nak le, abu mukpe fu, engkau leba, apa kita ba, cape le pilih yang bebo ingat ni mo, he? Je suis venu à la maison. Je suis venu à la maison. Je suis venu à la maison. Je suis venu à la maison.
La vengeance, c'est l'oubli. Quand tu lui fais un mal, il faut qu'il le rembourse. Ce qui fait la perpétuelle confrontation entre eux. Parce que même si tu lui fais, et tu fais un mal à un lobby, qu'on tue un enfant, qu'on tue un homme, eh bien, si le père meurt, la femme prend la flèche. Deux fois, elle prend la flèche, elle garde jusqu'à ce que son fils grandisse, et puis elle lui explique l'objet de la mort de son père. En devoir, il doit le venger. Ça peut durer 10 ans, ça peut durer, mais il faut qu'il venge son père. Bambara lori ti bantun tunta me ti ba yanannere na ibajusha sato uuruba aburumbe wa balne pelji bande mina olo ome yere ti demina bala ala shiwa ba ira ten 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 na tendum 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 bon ban ira tendum tendum ala na ala ya burunwa ta ba ira jaman na ba bina abanye sho po timbo a bon pan wa ne pelji a bande abi na ban pan yi mina jaman an bin panta a jaman min bo po sande no wani ani plan nan le ku ba shan ban shi a ban bo lo bar por sande amma mi lo ke a ena polan por sande min iru mi mun mo ba mi ura ingan imbe ti a bi japan yo si chen chezina a pan yo si chen manya ne be ba ja fo ser in chen se jama dik yira kwal po an ko no po si po le be su su a si su a si ne be ko ro nu to li jen fi nyem be un jama no gwal po sen kwal a fo mo wo na no a han fo ba a do ni ko ra fo a fouillé, à deux fois. Ah, parce que j'ai dit, mais je suis en train de me dire, je ne peux pas. À deux fois, je suis en train de me dire. Non, il est.
Pan quenati, a bayra bamara fanga, a banyo lun, monkin, a banyo lunkini, de qua jamana, jamana pan de qua nimpla, a commanda. One pan yer be ditty about po. Coupin, coupon, coupon, coupin, coupin, madame, tell her. Turn your division. I will have been. A wulen bu bobiru ha a kubiru pa ha mun de chen yon kaso bo mun de chen yon kaso bo won wela kubiru won chen le furu ha o chen gba kubiru o ya fo bo se won jo fun gba fo bo se chen e lo gba kaso bo ah man di biiru man ni pla o yika ni pla ku na da fi la won wa ya ga ku manda wa a wela ku manda bo ma bo la kurupe Kurang kubing jawa, pak kubing je sahaja malu. Aku kubing wah cakap cakap, sahaja nak kau nak cepat sini dulu suri ber. Dès la prise de commandement, j'ai été amené à remarquer et à signaler que si dans bien des cas les détenus supportent leur peine avec une indifférence absolue. Certains d'entre eux en paraissent affectés si profondément qu'une issue fatale se produit au bout de quelques mois. Les docteurs Lecousse et Hébert, médecins en service dans le cercle, ont été frappés des nombreux cas d'épuisement physiologique qui se sont produits dans ces dernières années chez les prisonniers et ont amené la mort après un affaiblissement progressif de plusieurs mois. Bon, tu m'as mené dimanche bibir. Tu m'as mené dans belle année. Nava yada, bashu ashu, baradambe, adi dirada, banama poron bamie, fin. Abati ada de yinale. Tabapan yira un bandi. Je suis à Gongura, la Gabona, la Gongura, la Gabona, la Gabona, la Gabona, la Gabona, la Gabona,
mede gura ba china ba ja ti gura ba ja mena ban yalo inyo na ba tano afu dua be a shaduna la che a ba mmiri the part c'est champion je fut avant un père un ya tenso a subur bar po fanye gung pura arabo be ba wa no wa dia o mal bia nuna avant ye la kunu no o pona a si san ir tenso no wa de kun chin avant no ka se kun Fadara kono fa fun kono fu jona e a heke na samba na ya gbe o jole ni data ntangu ko ala mala fandre fa dara wure ba dara kono vous savez chez nous la rancœur. La rancœur face à ça, là, c'est grand. Hein? Il y a beaucoup de risques dans la présentation de ces photos-là. Il est difficile de parler son propre père, hein, c'est difficile, même en bien ou en mal. Je sais que c'était un homme très intègre, qui a du caractère. Peut-être que cela est dû à ce qu'il a fait l'armée, je n'en sais rien. Mais il était dur, difficile, dur pour lui-même et dur pour tout le monde. Il n'aime pas la facilité, il n'aime pas la corruption. Tous ceux qui étaient rebelles ici ont été nommés chefs de canton. On les a intégrés dans la chefferie pour en tout cas apaiser le climat. Il n'aime pas les combinaisons. Il s'insurge contre l'injustice, la spoliation. Il est contre les chefs qui pillent. Les chefs de canton même ont contribué, n'est-ce pas, à polluer une bonne partie de nos coutumes. Ah oui. La fatalité, il n'aime pas. Il aime beaucoup le travail, et le travail immense. C'est quelqu'un qui travaille sans arrêt. Je peux même dire qu'il est mort de fatigue. Le chef de canton nous a été imposé par le colon. Il nous a été imposé. Sangol Lobi ne connaît pas le chef de canton. C'est le chef coutumier qu'on connaît. Chef de village, tout ça là, tout ça c'est le blanc qui a amené. Le chef de canton est un peu, c'est une organisation administrative qui, c'est l'auxiliaire de l'administrateur colon. Parce que quand le colonisateur est rentré ici, bon, les chefs coutumiers ont eu peur et ils ont reculé, ils ne se sont pas signalés. Donc pour commander aux populations, c'était difficile. Ils ont donc organisé les chefs en nommant d'autres à leur place. En tout cas, moi, je regrette hein, d'être secrétaire à l'époque. Je ne savais pas que c'était comme ça, puisqu'on est mal vu.
tout ce que on ne fait pas, on dit que c'est le secrétaire. On était mal vu en tout cas. J'ai aidé mon papa à faire rentrer les impôts. Ah, mais c'est puisque s'il faut prendre l'argent et le donner à quelqu'un comme ça. Oui, c'est pas facile. Ils payent malgré eux. Mais comme il y a des récalcitrants aussi, qui en ont, mais seulement qui ne veulent pas, il faut qu'on les chauffe. Si on ne les chauffe pas, ils ne payent pas. Mais trop de puissance au chef, comme ça, ce n'était pas bien aussi. Ça leur a permis de faire toutes sortes d'exactions. Ils étaient cautionnés par l'administration coloniale. Si nous voulons dire même réellement les choses, le colon par lui-même ne frappe pas. Non. Ce sont nos frères chefs de canton, représentants, gardes et autres qui frappaient. Mais eux aussi, ils recevaient des ordres. Ils recevaient des ordres pour le faire. Mais si c'est maintenant un ordre qui n'est pas correct, on ne va pas l'exécuter. Mais avant, vous étiez obligés de l'exécuter, littéralement, comme des militaires, sans hésitation ni murmure. Le chef qui allait s'opposer à cela, il était démis de ses fonctions. Mais lui qui a eu l'occasion de prendre la cravate et faire chicoter des gens, est-ce qu'il va accepter qu'on lui reprenne, son titre de chef de canton là et puis le donner à ceux qu'il a déjà cravaché? C'est pourquoi ils exécutaient aveuglément tous les ordres de l'administration coloniale.
qu'on peut comprendre qu'elle ne dise rien ou bien qu'elle dise très très peu de choses, parce que si elle le dit, ça va peut-être encore ressusciter des oppositions entre son matriclan et le matriclan de son mari, parce que quand même il y a eu mort d'homme et ainsi de suite. Ce qui lui est arrivé, c'est-à-dire le rapt dont elle a été l'objet. Et après, le fait d'avoir accepté de garder un enfant d'Européen et l'ostracisme dont elle a souffert, et elle et sa mère et une partie de sa famille. Et c'était quand même pour eux une sorte de honte, entre guillemets. C'était comme s'ils collaboraient quelque part en acceptant de donner vie à un enfant d'Européen. Et comme les lobbies disent, on ne peut pas entretenir un enfant de Blancs qui ont tué et pendu nos parents. Donc c'est assez douloureux et elle l'a vécu dans son corps, elle est à moitié sourde. Et ça provient de cette époque où elle a suivi beaucoup de sévices. Et même aujourd'hui, c'est une histoire qui la poursuit et qu'elle vit très très difficilement. Ah bon, mon papa, c'est d'Abialgité. D'Abialgité, il était cuisinier. Voilà. Il était sur cette colline, il faisait la cuisine avec les Blancs. Mais il a eu un seul problème avec un capitaine de l'époque qui était là. Après, le capitaine, n'est-ce pas, s'était marié à une Africaine, c'est-à-dire une lobby. Bon, mon papa qui était jeune à l'époque, quand le commandant sortait, bon, il entrait en relation avec, n'est-ce pas, cette femme-là. Et après, la femme prend grossesse. Bon, son patron l'appelle, il dit, mais comment ça? Je sais que c'est pas moi. Bon, dis-moi la vérité. Bon, les deux premiers jours, il a nié qu'il n'était pas l'auteur. Mais le troisième jour, il a reconnu qu'effectivement, il avait eu des relations avec la femme. Bon. Eh bien, son patron lui a dit, bon, comme elle est engrossée, elle n'a pas encore accouché, on va attendre pour voir si ça donne un Blanc, c'est moi. Si ça donne un Noir, c'est toi. Alors, quand la femme a accouché, effectivement, c'était une Noire, c'était une fille. Bon, le Blanc dit, ah, tu as vu, hein? Donc c'est toi. Bon, et là, son patron l'aimait beaucoup à cause de son travail. Donc il a appelé les parents, la fille qui sont venus. Il dit, bon, voilà. Et moi, j'ai demandé votre fille, elle était avec moi. Mais voilà mon cuisinier qui m'a tourné derrière le dos et il a fait son travail. Bon, or c'était un orphelin. J'ai pris les renseignements. C'était un orphelin de père et de mère. Donc moi, je l'ai adopté. Maintenant qu'il a fait ça, moi, je vais vous demander de lui donner votre fille en mariage. Bon, les parents n'ont pas refusé, ils ont accepté. Leur anarchie est pour ainsi dire écrite sur le terrain, et on la pressent en constatant qu'il n'existe pas dans ce pays de village proprement dit, mais seulement des habitations isolées, jetées au hasard autour des points d'eau et près des terres fertiles, semblant se défier à portée de flèche avec leurs terrasses crénelées, leurs portes étroites et leurs meurtrières. Thank you.
alors tu as fait une belle carte de matin. Non, moi je ne joue pas de bon. décembre, 21h. Départ du groupe mobile pour Domathéon. Distance à parcourir, 10 km 500. Nuit très claire et froide. À 2h, le brigadier Samy, des gardes de cercle de Batier, et le chef des partisans Ali, qui connaissent bien la région, estiment que le groupe est à moins d'un kilomètre de Domathéon. Ils engagent le capitaine à ne pas pousser plus loin avant le jour, craignant que les chiens ne donnent l'alerte. À 5h, ordre est donné de réveiller les tirailleurs. La lune, qui vient de se coucher, fait paraître le crépuscule plus profond. On ne distingue rien à 50 mètres du carré. À 5h10, le silence est tel qu'un individu venant de la direction de Domathéon vient se fourvoyer presque sur la gueule d'un des canons et disparaît à un fantôme, les tirailleurs ayant la consigne formelle de ne tirer contre aucun isolé. 5 minutes après, des hurlements se font entendre dans Domathéon, suivis de sons de trompe prolongés. On distingue bientôt les cris des femmes, auxquels se mêlent les clameurs des hommes qui s'excitent entre eux pour marcher en avant. Les cris se rapprochent et apparaissent sur la lisière de la brousse à 700 mètres du carré. Thank you.
yera mimi domana nerebe tira ha singa kambu bikuna mini wo domana min deme doma mi inene dira jire mi mene ya doma yera ko chuni da do nene yuwa si fo ka nyom biele agure ka dira do pa biele yu dimi wiye wiye doma we doma we ye dira jingba ye dira wi doma ah doma we ka je mi mini nga doma na ko cho cho cha 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 nana cha se fre ka nyom bi mama dira hun ni ni yu ante doma ma ka yin se biel ka ya doma sika yi ji biel ka ya doma wi ye we 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 ye ye L'annonce d'une prochaine levée de tirailleurs sur des bases aussi étendues qu'en 1916 n'a amené aucune perturbation dans la vie normale des indigènes. La société noire se prête d'ailleurs, par sa constitution même, à notre action sur la masse. Sauf dans la région du Lobi, où les populations sont imbues d'individualisme et d'indépendance, et font même preuve, parfois, d'un esprit anarchique. J'ai en train de chercher les numéros de matricule des anciens combattants qui sont libérés de l'armée française et qui ne vivaient plus. Nous n'avons pas les numéros, on n'a pas d'autres livrets individuels. Il fallait chercher ça dans les cahiers de recrutement pour le retrouver. Je suis porté. Numéro matricule 23836. Pour m'attraper la main française, le 4 février 1938. Moi, je suis de la classe 45. Jusqu'à nos jours, alors, je vis, mais mes compatriotes, alors, nous sommes deux seulement qui restent. S'il n'y avait pas ça, on ne pourrait pas trouver nos camarades qui sont morts, on ne pourrait pas les avoir. Bien vrai que vraiment ça a devenu débraillé. C'est pas de notre faute. Kipi. Cache qu'elle, pour ma blette. Godache, pour une terre. Les trahirs qui sont morts, ils sont morts pour la France. Ils ont dit que nous sommes de même. Et en détail, nous ne sommes pas de même. Parce que quant à nous, alors, si nous sommes morts en France, là-bas, on enterre là-bas et la pourriture, c'est fini. Ça, c'est pour la préparation du coton de l'Obi.
Oui, parfois je m'en vais quand même voir les camarades qui sont libérés, qui sont morts, qu'on a enterrés au cimetière ici. Je parle des fois pour faire une petite prière pour eux. Les Français abandonnaient les Africains. Moi, de mon côté, comme je vis, nous étions au moins 60 bonhommes. Et aujourd'hui, nous sommes deux qui restent. Et nous n'avons rien. Moi, pourquoi je n'entends pas très bien? Parce que je servais la tirée à ce temps-là. J'étais infirmier de la tirée. Ah, infirmier, on t'appelle là. Moi, je fais que va et vient seulement. Mais Dieu m'a sauvé et je n'entends plus rien. Maintenant, je suis sûr. Si on parle, si la personne ne parle pas fort, je n'entends pas. Et quand je parle à mes enfants aussi, ils sont fâchés parce que je parle fort. Mais moi, je croyais que tout le monde est comme moi. Voilà pourquoi. Mais la France ne s'occupe pas des Africains. Moi, je peux bien le dire. Je ne me casse pas. Moi-même, je suis en souffrance. Et je sais qu'ici, ceux qui sont morts, ils ont la paix. Ils ont la paix aujourd'hui parce qu'ils ne souffrent plus. Ils ne savent pas ce que la France est en train de nous faire. Carte du chevalier Minter. Voilà. Pantalon Minter aussi, toujours. Ceux qui sont morts en France, là, qui sont morts en guerre, maladie et tout, on les a enterrés à la France là-bas. Bon, comment les parents vont faire? Personne ne peut quitter ici pour aller en France pour dire, bon, montre-moi la tombe de mon fils ou bien de mon mari. Ça ne pouvait pas se faire. Mais il fallait quand même que la France s'occupe des Africains au moins. Mais par là, alors, c'est lamentable. Voilà un vers, encore. Toucher Minter. C'est tout. L'argent a rien, par les soldats français dans mon pays, qui vient s'attendre dans mon pays. J'ai gardé les troupeaux à maintenant que je suis militaire. Vous voulez pas, c'est le pas Atela. Attelez-vous. Voulez pas Atela. Atela. Napoléon, bravo militaire. Pantanelli, laissez-les pas passer. Mais passé, bravo militaire. Donne ta toile. Aïe. Voilà. Les missionnaires ont beaucoup fait pour l'administration coloniale. Nous pouvons dire même qu'ils ont été des facilitateurs. Puisqu'il parlait de Dieu. Bon, nous sommes des animistes. Alors vous voyez, animiste et Dieu, vraiment, il y a une marge. Mais par les explications, ils sont arrivés quand même à détacher, n'est-ce pas, un certain nombre. J'ai accepté les suivre. Je n'étais pas heureux. Même à présent, je ne suis pas heureux. Mais comme je crois en Dieu, je fais toujours ma prière. J'attends le jour de ma mort. Voir ce que Jésus va me faire. J'aimerais que nous essayions de voir ensemble la vraie et la fausse spiritualité. La vraie et la fausse spiritualité.
Parce que vous savez que nous vivons aujourd'hui une période très difficile de l'Église. Le Seigneur travaille et l'ennemi aussi travaille, n'est-ce pas? Là où le Seigneur travaille avec son peuple, nous constatons aussi que l'ennemi essaie de s'infiltrer et de travailler. J'ai appris à ne pas faire du mal, ne pas chercher la femme de quelqu'un, ne pas voler. Tout ce qui n'est pas bon devant Dieu, le paradis, si Dieu vous met à sa droite, c'est qu'il vous aime. Donc, vous avez un peu de tout, tout ce que vous voulez. Ah, l'enfer, c'est un feu vraiment qui ne s'éteint pas. Le plus important, on est sur cette terre, on est de passage. Donc le plus important, c'est de faire en sorte d'accéder aux ancêtres. Et cela passe par des tas d'initiations. Dunya ane lahara dunyara, ame bara minate. Nobo bana fandel bo traverser vis-à-vis. Taka na yer tar hal biyerente snogo. A dire ka ban waka mebi na yan. Abu ke chugu me kwa na dire ka ninka jini boka mi hali ibi to abu ibi farfion ni ka ningini mi ka ba fan bi traversel ni na na kana u ke badara ka ba problem fo ite ambi traversel dobe ibi dorme kele dorme saba sarmugu ni bi saradon sarmugu e ba be yana comme faute à Sarakan. Les juges disent oui, qu'est-ce que vous avez à dire? Monsieur les juges, tout simplement pour vous demander si celui-là c'est un Français. Je dis vous, si c'est un Français celui-là. La salle était... Tous les Européens étaient devenus rouges, citron. Alors le juge m'a regardé, dit oui, c'est un Français. Et après, il dit comment? Un Français qui ne sait pas parler français? J'ai un Français qui ne sait pas parler français. Alors, c'est comme ça que si je savais que vous alliez dire des bêtises comme ça, je ne vous aurais pas donné la parole. Et bien, qu'on l'amène. On a l'amener en prison. Comment amener en prison? J'ai eu 18 mois, 18 mois de prison pour ça. 18 mois. Tous les deux, c'est notre père adoptif. Et c'est un homme qui est né avec un tempérament bien connu, gros travailleur et très discipliné. Il a acquis ainsi l'admiration de tous les commandants qui travaillaient avec lui jusqu'à l'avènement de la politique et était toujours bien noté. Mais quand il s'agissait de lutter contre la décolonisation et pour le travail forcé, la suppression du travail forcé, alors les choses ont basculé. Il s'est levé contre des principes qui l'ont conduit en prison. Une fois, deux fois, trois fois. Il totalise cinq fois la prison. Et en numéreur, on compte à peu près 7 années. Il a fait 2 déportations, on l'a déporté pour ses prises de position, et 2 revocations, on l'a chassé de l'administration. Et tous ses enfants que nous sommes avons été exclus de l'école pour le comportement anti-français de notre papa à l'époque.
Par exemple, on vient imposer des impôts de capitation. Chaque contribuable doit donner encore quelques mesures d'or, quelques grammes d'or, 20 grammes d'or. Ben, et puis on venait prendre les enfants, les femmes, pour aller faire des travaux sans rémunération. Et puis les mettre dans l'armée, sans leur volonté. Les expatriés allaient travailler en Côte d'Ivoire, au Dahomey, au Sénégal, au Mali, même le Niger. Mais alors, comment on peut accepter des choses comme ça? Les gens ont tout perdu à cause de cette injustice-là. Ils ne sont pas prêts à oublier ça. Même ceux qui vivent encore, qui ont été handicapés, sont toujours marqués. Et des gens qui ont perdu leur vie, les familles sont là, qui sont marquées. Ils ne peuvent pas oublier ça. Nous, on a perdu notre frère. On ne peut pas oublier ça. L'avion, ils ont été brûlés. Pour la simple raison que l'Européen, à l'époque la France, ne voulait pas semer des graines de communisme en Afrique. Ça, c'est le lever ou le coucher des couleurs, 6h, 6h. Lever du soleil, coucher du soleil, et réveil matin pour être sûr que c'est bien 6h. On sonnait. Il y avait une sonnerie de clairon qui retentissait. Il n'y avait personne. L'administrateur n'assistait pas. Alors, quelquefois, il y a un type qui passait. Si c'était un ancien militaire, il s'arrêtait, il se mettait au garde à vous. C'était un spectacle très étrange. L'indépendance a apporté un changement en Afrique, au Burkina Faso ici. Parce que aux premières heures, c'était les applaudissements. Nous sommes nous-mêmes, nous prenons nos décisions nous-mêmes, nous faisons nos choses nous-mêmes. Mais après, nous nous sommes rendus compte que nos partenaires d'hier ne voulaient plus nous tendre la main. Tellement, ils ne voulaient plus. Le véhicule, ça nous a beaucoup aidé aussi. Entre-temps, on a garé parce qu'il y a plus de défaut des pièces. Raison pour laquelle qu'on a garé. Mon dernier choix, c'est d'aller au paradis. Et non en enfer. La colonisation n'est pas terminée. La colonisation s'est manifestée sous d'autres formes que vous n'ignorez pas. Il faut encore des centaines d'années pour que l'Afrique se libère de la colonisation. Si nos partenaires acceptent de nous aider dans notre développement. Ouais. Il faut qu'ils s'engagent à nous aider. Thank you.
Tama que minchoni artoi e mi per hari e si pensan sono che nandino era che e contentino col tuna monke o cocchini cuna da blu e do corcorie monke tiblan in suni asa do tibla sa do loba won do chu di ho no mahasi dati mile ma per har bensan andinena avaji era fe contentino tuna faji ere facho ni no faji ere facho ni to di ere ina di wld C'est un vieux, il ne peut pas cultiver, la terre est sec et la pluie ne tombe pas et il se débrouille un peu pour manger. La blanche est venue pour lui amener en Amérique, il veut le sauver. C'est la maison des blancs comme ça, c'est la voiture des blancs, c'est le vélo de papa comme ça. Il va le sauver avec l'argent. Si la blanche ne vient pas pour le sauver, il va mourir. Mmh.
Bon, ban para ne bena ma tupa bena e chanjena ko fa ne fa dal kirbe ba jiyo aha a kinin be ir ne be bin bin an noy bon na mun ben be an pla lo ma mu bi bal ma jor ko mu bi do war ka o sha ma shor lo kala ma bal bal wala a bona bu a jeb bu a man pito a ba do ye en ko chon ben bin an noy bon fa ni sem bi yoro ma bon de ko lu dabulla han ore nwora singbe e kier fedia cheke benjanake chekul e fane mimini e kiera nani e tier ukage e jera ukage adutel ngbe ni re e dira daka aku mamadia ko shira kan sepa dabulla sedana e kier cele fo se gbere adu ola nobia awen ton ora on ton na ke ya sharon tan wala bisa na bibire ka uburu kari da shege kiri wala ni do bibisa na hajiren kwara won ji won ha o ka tiran ji se pa so ina tiran ji won mi ni ne mebo wa bu na ni da kai ira sin ko demo ina pifio se bi entre pun kure a ki jambir di to se do torege torin da irak ne bon dini du biker e a so mamadi lo fare sa du no biel so ye khala la khama ye khan darne a kome so du ga da mon tu e ha dana o te ane abba por kuya pure don conteni sapun na ha no bo mo se kan ka gi sangali tali 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 sin tene fo si kur ya si de tu ire han kerke u bawo da bot na la umba wa ore an a o han je u da sal ka mam na mam do da la ore da ana na ada ne Thank you.
voyez comment ils sont accoutrés pour réaliser leurs danses. Les danses n'ont pas évolué, mais ils ont un accoutrement qui tient à la fois de on a l'impression que c'est un accoutrement de comédiens. Ils portent toujours leurs arcs, leurs carquois sur des habits. Donc, ils s'adaptent. Mais en ce qui concerne leur propre vie intérieure, leur rite, tout ce qui les rattache à l'au-delà, tout ce qui fait leur histoire intérieure, ils ne changent pas. Je pense qu'un peuple ne peut pas survivre sans ça, sans son identité fondamentale. Et si les lobbies ont survécu jusqu'à présent, c'est grâce à cela. Parce que déjà, le monde moderne est très perturbant. Et très souvent, les Africains ne savent plus ce qu'ils sont. Parce qu'ils ont tellement pris de l'Occident qu'ils ne sont plus Africains. Parce qu'ils n'ont rien appris de leurs parents. Parce qu'ils sont allés à l'école et ils ont tout jeté, tout ce qui concernait l'Afrique. Ils n'ont pas assez bien appris des Européens. Parce qu'ils ne peuvent pas être Européens, même si on sait très bien lire. Oui, même si on est un grand médecin, un grand professeur de médecine. On ne peut pas être européen. Et ils ont tout jeté des Africains. Ils ne peuvent pas être européens. Ils sont perdus. C'est le grand drame de l'Afrique actuellement. Et on ne peut pas en vouloir au lobby de tout faire, de se battre, d'essayer de s'adapter pour ne pas disparaître. Hey, come on.